Coucou à tous, alors je reviens aujourd'hui avec une petite vidéo de présentation d'un mini-album que j'ai fini, où j'avais mis quelques vidéos sur mon groupe Facebook. Voilà, donc si vous voulez réaliser la même chose que moi, j'ai trouvé le tuto sur YouTube sur le scrap d'Aurélie. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est un mini qui est un petit peu particulier, très original, et je l'ai fait assez rapidement au niveau de la structure. J'ai mis une heure et au niveau des petits livrets, parce qu'en fait si vous voulez vous avez trois mini albums dans cet album là. Voilà, pour le tout j'ai mis 2 heures entre les livrets et la structure, et après un peu plus pour tout ce qui est décoration, même si j'ai pas fait grand chose. Voilà, j'ai juste un petit peu travaillé là, comme vous allez voir, et puis au niveau des livrets, c'est assez simple. Voilà, donc il se présente comme ceci. Donc, j'ai utilisé donc ma structure du papier noir, là du papier bleu ciel avec une perforatrice bordure. Là, j'ai utilisé le tampon de chez Scrap Plaisir, donc c'est un lot de tampons. Comme ceci, pareil pour là. Donc j'ai embossé à chaud avec de la poudre pailletée bleue. Donc, je sais pas si on voit trop les paillettes, ça se voit très léger. Là, des perles de pluie un petit peu de partout. 3 fleurs de Prima, de chez Prima. Là, c'est des feuilles. Il y en a une verte et une un petit peu beige, et là un petit morceau de papier. Voilà, donc ça c'est pour le devant. Pour le côté, j'ai mis un petit stickers baby et j'ai terminé ça hier soir. Alors, c'est mon premier. Vous avez du ruban en satin, vous avez de la dentelle, et vous avez, si j'y arrive, un petit cintre, je sais pas si on voit trop, et une petite cuillère. Voilà, donc ça c'est pour le côté. Et après donc derrière on arrive donc sur une petite boîte où on a le premier mini album. Donc tout mon tous les papiers que j'ai utilisés, stickers, papier, ça vient de chez Simple Story, et la collection c'est Hello Baby. Voilà. Donc, je trouve que les couleurs étaient un petit peu, enfin, assez pastel, et ça allait avec pas mal de photos. Donc pour le premier mini, il se présente comme ceci. Donc il y a juste au niveau des tampons où j'ai utilisé les tampons de chez Kaisercraft. Alors Jennifer nous avait fait une petite vidéo sur ces tampons là qu'elle avait eu pour son anniversaire. J'ai craqué dessus, donc je me les suis pris aussi. Tu passes pas, je te fais un petit coucou. Voilà, donc mon album est assez simple, donc c'est relié avec de la corde, hein, cordelette. Et après en fait là j'ai fait quelques tamponnages, donc je reste assez simple, j'ai pas trop mis j'ai pas mis d'embellissement ni rien, c'est plutôt des tampons. Voilà, c'est des tampons de chez Scrap Plaisir, des petits stickers, là pareil. Et c'est vrai que les papiers sont quand même assez déjà chargés en motifs, que je voulais pas non plus rajouter 50 000 choses. J'ai juste rajouté des petits tamponnages comme ça, à droite et à gauche, un peu de partout. Après j'ai mis d'autres. Voilà. Et là j'ai fait des petites gouttelettes, donc je suis vraiment restée très très simple. Donc ça c'est pour le premier mini. Hop. Donc je reprends ma structure. Donc moi j'ai décidé de mettre du velcro, mais vous pouvez mettre des aimants comme elle a mis Aurélie, sur sa vidéo, c'est ce qu'elle a fait. Donc voilà, il se présente comme ceci. Donc vous avez en fait 2 boîtes encore et 2 mini. Donc là j'ai mis un stickers également, là un petit en bas aussi,
Et après, j'ai mis des petits stickers de bébé. Et je vais vous montrer vite fait, donc. Hop. Les deux autres petits carnets. Donc, c'est le même principe hein, que le premier. Hop. Donc, voilà, je suis vraiment restée très, très simple. Voilà, de temps en temps, j'ai rajouté une petite étiquette, enfin, des choses assez tranquilles, quoi. Voilà. Et en plus, on peut jouer, donc ça, c'est pas mal sur le fait d'avoir des petites pages par rapport aux autres. Je trouvais ça pas mal. Vous voyez, là, j'ai mis un petit morceau de papier. Là, c'est une étiquette. Et là, pareil, en bas, étiquette et un morceau de papier. Voilà. Voilà. Tamponnage. Un tamponnage également. Et les papiers que j'ai laissés comme ça, sans photo ni rien. Je verrai si je complète plus tard ou pas. Pour l'instant, j'ai plus ce qu'il faut. Donc ça. Et le dernier. Donc comme ceci, celui-ci un peu plus rempli. Alors j'ai mis du masking tape là parce que mon papier s'est déchiré. Je trouve ça. Ça peut faire un joli effet aussi. Donc toujours mes petites étoiles par là. J'ai mis des petites étoiles en bas. Là j'ai des petits chiffres. Voilà, c'est mon bébé quand il est né. Comme ceci. Je passe vite parce que bon, c'est juste des photos. Et voilà, puis derrière, j'ai rien fait du tout. Voilà, donc moi je trouvais que c'était un album original. Du coup, ça permettait d'avoir trois albums avec des thèmes différents. Voilà. Moi j'ai fait dans le même thème, mais on peut faire une couverture beaucoup plus simple, beaucoup plus globale, qui va comporter plusieurs thèmes de mini-albums. Voilà, je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous mets toutes les informations en barre d'outils. Gros bisous, ciao ciao.